jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part des informations en ce qui concerne le tout nouvel événement que Rockstar a mis en place suite à la sortie du DLC Independence Day, ou en français, Fête de l'Indépendance pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Bon, j'espère pour vous que vous comprenez l'anglais, parce que dans notre monde, si on ne comprend pas l'anglais, on est légèrement dans la merde. Enfin bref, donc cet événement est assez particulier. Il n'est pas comme les autres événements, donc certes il y a du double XP, il y a du double argent, mais il y a d'autres choses, je vais vous les dire, je sais pas maintenant ou tout de suite. Bon allez, on va vous le dire tout de suite. Donc RP et argent, ça sera avec les nouvelles activités que Rockstar a créées. Donc pour les voir, je vais vous en montrer une que j'ai trouvée, que j'ai fait. Donc vous allez dans en ligne créé par Rockstar, course, et vous lancez la course étendue sauvage. Cette course a été rajoutée avec l'événement, donc vous la faites et vous gagnerez double RP et double argent, ça c'est sûr et certain. En plus vous la faites en Monster Trunk, donc gros délire max avec les abonnés ou avec vos potes, hein, si jamais vous êtes youtubeur avec vos abonnés, si vous êtes avec des potes, bah avec vos potes, enfin bref, c'est ça. Donc du coup il y a double RP et argent avec cette mission. J'ai pas trouvé d'autres missions parce que Rockstar crée des événements sur leur site, ils disent qu'il faut participer au hall à l'événement, mais je ne trouve jamais cet événement. Ça c'est fait. Je vais aller tous où vous voulez, info en ligne. Jamais trouvé l'événement. Enfin bref. Et après, il y a des nouveautés, c'est-à-dire que il y a quoi déjà. Donc tous les transports, tous les achats de véhicules chez Pegasus seront gratuits. Ça c'est fait. Donc si vous commandez un Monster Trunk, ce sera gratos. Si vous commandez un tank, ce sera gratos. Bon, en même temps, vous me direz, c'est pas très cher. Un avantage aussi, c'est que quand vous allez demander une frappe aérienne par Meriwether, vous allez avoir 75% de réduction, et je ne déconne pas, 75% de réduction, c'est énorme. C'est un cadeau qui nous a été fait par Rockstar, c'est énormissime. Un cadeau comme ça, on n'imaginait jamais un truc de leur part comme ça. Je pense pas avoir oublié d'autres trucs, je vais juste aller vérifier sur le Social Club. Parce que normalement je devrais rien avoir oublié. En attendant, je vais vous inviter à me rejoindre sur Facebook, ma page Facebook et mon groupe Facebook. Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à poster un petit statut. Et comme ça vous pourrez peut-être trouver des gens pour faire les glitches, hein. Voilà, comme ça c'est fait, on est tranquille. Et à me rejoindre sur Twitter et à rejoindre la chaîne 100% course. Donc RP et argent, 75% de réduction, moins 25% sur les munitions de lance-roquettes, minigun et lance-grenade. Ça je l'avais oublié. Je l'avais lu pourtant, mais j'avais oublié. Et un concours Snapnatic spécial Independence Day. Donc, vous prenez vos photos avec le Snap, avec votre téléphone. Vous prenez des véhicules du nouveau DLC, donc le Monster Trunk ou la moto. Et après, vous allez tout simplement qu'aller poster sur le Rockstar Social Club. Et voilà, donc après, je pense avoir tout dit pour cet événement. Comme d'habitude, une petite vidéo pour vous annoncer, je le fais toujours, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Lâchez un maximum de likes et partagez-la sur Facebook et Twitter pour que tous vos potes soient au courant de cet événement de ouf et qui va déchirer. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde.